Bonjour, comment ça va? Ben, moi, vous voyez, en pleine forme. Il fait beau en Bretagne, à Lorient, il fait très très beau. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un petit pop-up qui s'appelle À la recherche des fées des fleurs. Cécilie Marie Baker, Découvrez l'univers enchanté des fées. C'était un bouquin qui est sorti en 2007 et l'édition française de 2014. Voilà, donc super super joli, hein, avec un petit album photo. Sur des petites photos de fées prises à l'improviste. On ouvre le livre. Voilà. Là, c'est à la cime des arbres. J'ai appris à mes dépens que les fées des arbres peuvent se montrer très espiègles, s'amusant à faire pleuvoir glands, noix et autres baies sur les têtes des promeneurs. Suis mon conseil, sois vigilant et porte un chapeau lorsque tu te promènes dans les bois. On continue. Hop, le sol de la forêt. Voilà, donc là, vous voyez les champignons et tout. Les traces des fées dans les bois. Alors on retrouve des traces. Comme quoi les fées existent bien. Des petits motifs gravés dans l'écorce. Des petits trous où se réfugient les fées. Quand tu verras une souche d'arbre, inspecte-la bien. Car les fées savent tirer parti de la moindre alvéole. Voilà, vous voyez, là, il y a une petite fée qui est. Et on continue. Alors voilà le bouquet que j'aimerais offrir à toutes les femmes, en fin de compte, les mamans, les enfants, toutes les femmes de la planète. Il est superbe ce bouquet, il est très beau. Et on continue dans les jardins. Parce qu'il y a aussi des fées dans les jardins. Et je continue. Au bord du chemin. Oh, ça c'est une page qui est magnifique. Voilà, au bord du chemin. Ah, si vous saviez toutes les merveilles que bois et haies souvent recèlent. Elle se casse là, sous la semelle. Inspecte avec soin toutes les brèches des qui sait s'y si cache. Peut-être une petite fée. Très très beau ce livre. Voilà. Les marais, parce que les fées se nichent partout. Donc les fées des marais sont particulièrement insaisissables et furtives. Pour les trouver, essaie de repérer leurs minuscules empreintes de pas. Si tu les suis, elles te mèneront sans doute à une cachette enfouie dans la berge d'une rivière. Parce que les fées sont partout. Et je crois qu'en cette période, on a besoin de croire aux fées, aux choses magiques. Et voilà, l'appareil photo qui prend les fées. Alors, j'ai récemment eu la chance inouïe de photographier une fée des arbres. Ce cliché a suscité bien des spéculations, mais le public ne l'a pas encore vue. Car après tout, seuls ceux qui y croient sincèrement savent voir les fées. Voilà, donc il est très très beau ce livre. Donc voilà, j'espère que je vous ai amusé pendant quelques minutes. Hein, donc voilà, ça coûtait un petit peu de sous aussi. J'ai découvert que les fées aiment se cacher dans la nature, bien à l'abri des regards indiscrets. Retrouvez-les à travers ce merveilleux pop-up. Il est magnifique. Voilà, ce livre est très très beau. Donc merci encore une fois à vous. Restez bien confinés. Prenez bien soin de vous et puis à plus, à demain, bon après-midi, bonne journée, bye bye.